Bonjour, alors nous voilà partis pour une nouvelle unité, la sixième je crois. Je propose, comme je l'avais déjà annoncé, des exemples pris dans le Stabat Mater de Pergolèse, toujours concernant ce fameux enchaînement avec le chromatisme à la basse. Alors Pergolèse, c'est un compositeur, il faut quand même le situer au début du XVIIIe siècle. Il a vécu très peu, il est mort très jeune, il est mort à 26 ans. Voilà, peu importe ses dates exactes, je crois que donc, c'était 1710-1736. Il faut voir que cette période, c'est le tout début du 18e siècle. Voilà, bon, je ne fais pas de commentaire, on ne va pas se lancer là-dedans. Voilà. Par contre, je fais un petit commentaire sur le Stabat Mater. J'avais signalé le côté, l'importance de la basse chromatique, du chromatisme en général, et plus particulièrement de cette basse qui avait même été jusqu'à porter ce fameux nom emprunté. Enfin, qu'il y avait un petit parfum de rhétorique avec ce mot latin de passus durius culus. Voilà, on le trouve ici et il était attaché à exprimer la douleur, dirons-nous, c'est-à-dire l'affliction. Le terme affliction était le terme employé notamment en latin et il était très employé, donc on parlait d'affliction et de douleur en général. Et on le trouve chez Pergolèse, je l'avais signalé. Parce que c'est une des images les plus importantes en Occident de cette douleur et de cette affliction qui a un peu traversé les siècles et qui a imprégné les mentalités et donc les musiciens. Il y a donc un personnage qui est le personnage de Didon dans le texte de Virgile. Didon est aîné qui aura une descendance absolument gigantesque jusqu'au XIXe siècle, par exemple, les Troyens de Berlioz, par exemple, un opéra de Berlioz. Ça raconte aussi la mort de Didon. Berlioz lui-même était très très imprégné, il en parle dans ses mémoires, du texte latin, hein, pas de la traduction, du texte latin de Virgile. Et le moment de la mort de Didon et de ce passage-là, qui est donc dans le Didon aîné de Purcell que nous avons vu un petit peu, avec toujours cette basse chromatique, c'est le quatrième livre de l'Énéide. Et Berlioz a réécrit un texte à partir du... Il a recréé en quelque sorte ce quatrième livre de l'Énéide avec la mort de Didon. Donc ça, c'est un des personnages les plus marquants pour la couleur, si j'ose dire couleur, enfin pour le... on disait, il fut un temps, l'éthos, c'est-à-dire le caractère de cette écriture et de l'expression de cette douleur. Mais il y a eu un autre personnage, le deuxième ou le premier, peu importe, enfin c'est le deuxième chronologiquement d'ailleurs, c'est le personnage de la Vierge dans, au pied de la croix du Christ, dans les évangiles. Donc ça c'est très très important, et il a été écrit par, je le signale, c'est quand même des choses à connaître un petit peu, un minimum en tout cas, il y a un écrivain italien, on lui attribue le texte du Stabat Mater, qui est donc un texte latin, qui veut dire Stabat Mater, c'est-à-dire la mère était là, debout, Stabat, elle était là, devant son fils crucifié. Voilà. Donc c'est un texte extrêmement douloureux. On dit d'ailleurs Stabat Mater Dolorosa, c'est-à-dire douloureuse, la mère douloureuse. Voilà. C'est une chose très 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 importante, c'est une image extrêmement importante. D'ailleurs dans la peinture, énormément aussi, il y a la musique hein, qui porte ça, avec ce fameux chromatisme, hein, Do, Si bécard, Si bémol, voilà, c'est ça, mais dans la peinture aussi, puisque les descentes de croix, etc., sont la sculpture également. On le voit beaucoup, il faut quand même savoir ça. Donc il y a un peu ces deux grandes images, évidemment, on ne peut pas les comparer, elles n'ont pas la même valeur, elles n'ont pas eu le même rôle dans l'histoire, mais elles sont un peu les deux images de la douleur. Il faut quand même savoir, parce qu'il ne faut pas étudier les choses, la musique, totalement en dehors de ce contexte et de ces sources d'inspiration. Le texte était donc du XIIIe siècle, ce Stabat Mater d'un Italien, Jacopone, je le dis à l'italienne un petit peu, Jacopone da Todi. C'était un franciscain, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'inscrivait dans la droite ligne de Saint François d'Assise, d'ailleurs c'est de la même région, hein. Il a écrit par ailleurs des œuvres très belles, de la poésie très belle, assez imprégnée d'un dialecte qui est le dialecte de l'Ombrie. Grosso modo, hein, tout ça avec des latinismes et aussi une langue italienne qui était le toscan, enfin un mélange. Hein. Mais il a écrit aussi en latin, de la poésie en latin, dont le Stabat Mater.
Et le Stabat Mater est devenu et a été confirmé dans l'Église comme étant une, ce qu'on a appelé, on appelle toujours, mais enfin le terme est peu employé, une séquence. Il y a plusieurs séquences. C'est une forme poétique en quelque sorte qu'on appelle la séquence, ou prière, c'est un peu la même chose. Forme poétique, prière, texte liturgique, qu'on appelle la séquence. Il y en a peu, je crois qu'elles sont au nombre de 7, les séquences. Et d'ailleurs, je fais allusion à un texte qui, pour moi, n'a rien à voir en fait, mais peu importe, je le cite, parce qu'il est connu au XXe siècle. Le musicien Berio, qui est un Italien aussi, a écrit un texte qu'il a appelé Sequenza. Il y a plusieurs sequenze, sequenza, une sequenza, c'est-à-dire il y a un sequenza pour alto, pour par exemple pour hautbois, je crois. Il y en a une pour voix qui est très connue. Hein. Bon, c'est la sequenza. Il reprend le terme de séquence. Voilà. Donc le Stabat Mater est une séquence. Alors voilà, ce Stabat Mater se déroule comme une cantate, même comme un oratorio, en plusieurs mouvements, où on va trouver des duos, il y a deux voix dans le Stabat Mater, on va trouver des duos, on va trouver également des solos, des arias, enfin, pour voix seule, ou pour les deux voix. Là, par exemple, je vais quand même noter, je vais quand même l'indiquer, hein, c'est la cinquième pièce, attention, il faut quand même le nommer, si chacun veut le retrouver, c'est la cinquième pièce qui commence par le texte « Qui est homo ?» etc. Il faut le savoir, c'est ce qu'on appellera l'incipit, il faut quand même le connaître. Et c'est un duo pour les fameuses deux voix qui sont utilisées dans le Stabat Mater, pour soprano et pour alto. Alors, j'ai écrit ici, si j'ose dire, l'orchestre. L'orchestre, c'est-à-dire, il est réduit au quatuor, en fait. C'est-à-dire, violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse, je lis, et orgue. Mais tout ce monde, j'ai dit plus que deux, j'ai dit violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse, orgue, ça fait déjà 6 comme partie. En fait, ça n'est pas 6, c'est bien 3 parties, c'est-à-dire qu'il y a violon 1, violon 2, et alto, violoncelle, contrebasse, main gauche de l'orgue, tout ça, c'est la basse. Donc, il y a 3 parties. Il y en a une quatrième qui est une partie, c'est intéressant, et je ne l'ai pas écrite. Alors, attention, qu'on ne crie pas à l'hérésie. C'est la partie la plus importante, c'est le chant. Mais le chant est un très beau chant, mais il ne fait que reprendre les notes de l'harmonie. Donc, si j'ose dire, le chant n'a aucune importance harmonique. Il est prépondérant quand on écoute ça, ce qu'on entend, c'est le chant. C'est la voix de soprano qui commence, quand le soprano a développé toute sa phrase, la deuxième phrase sera reprise par l'alto. Par exemple, je lis le texte ici, je le vois, toute la première phrase est donnée par le soprano, par la voix de soprano, en do mineur. Et puis il y a une petite chute de la musique, une petite suspension, et la voix d'alto reprend, elle prend à son tour le même texte, mais cette fois-ci en sol mineur. Je ne le mentionnerai pas, c'est l'exacte réplique du texte en ut mineur qui est là. Donc, ce qu'on entend quand on va écouter au concert, ce qu'on entend, c'est essentiellement la voix de soliste. Eh bien, peut-être un peu paradoxalement, je l'ai enlevé, je le redis, comme c'est très souvent le cas d'ailleurs, la voix de soliste ne fait que faire des volutes mélodiques, monter, descendre, avec des, ici par exemple, j'allais dire des choses disjointes, oui, c'est assez un peu disjoint, pas énormément, mais il y a des choses disjointes, là, par exemple, je vois une septième diminuée, etc., etc., une quarte, voilà, mais toutes ces notes sont des notes qui montent, qui descendent, et puis il y a aussi des éléments conjoints, je ne vais donc pas m'attarder sur cette ligne mélodique, mais ce sont des notes qui sont donc prises à l'harmonie. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'harmonie, cette harmonie se réduit à une écriture à 3 voix. Donc, je redis, violon 1, violon 2, et ça, c'est alto, violoncelle, contrebasse, main gauche de l'orgue. Et l'orgue, la main droite, fait la réalisation, le chiffrage. Il y a un chiffrage à la pergolèse début du XVIIIe siècle qui est un petit peu différent du chiffrage que j'emploie, c'est-à-dire qu'il est souvent plus complet d'une part. D'autre part, il y a certains éléments qui ne sont pas utilisés. Je le regarde ici, par exemple. Par exemple, les 5 ne sont pas barrés. Voilà. Quand la quinte est diminuée, elle est écrite 5. Nous, on la barre. Je pense que c'est bien de la barrer, d'ailleurs. C'est bien de faire une belle différence dans l'écriture, que ce soit rendu très clair et très lisible. 5, c'est quinte juste. 5 barrés, c'est quinte diminuée. Voilà. Alors, maintenant, j'en viens au texte proprement dit. Alors, je ne vais pas énormément développer, puisque on a déjà vu.
ce que je vais indiquer, là où je vais m'attarder un petit peu, c'est sur les éléments de différenciation, c'est-à-dire les notes étrangères qu'il introduit ici. C'est tout. Alors, la basse, on la retrouve ici, c'est bien Do, Do ou Do, peu importe, c'est le même. Il y a un saut d'octave, Do. Donc, je n'écris pas en faisant des ronds, parce qu'on n'a plus rien à y comprendre. Le Si bécard, le Si bémol, le La bécard, le La bémol. Petite originalité, ce n'est pas extrêmement important pour nous aujourd'hui, je le signale quand même, c'est que j'ai bien donc, je redis, Do, Si bécard, Si bémol, La, La bémol, Sol. En fait, l'enchaînement, c'est La bémol, Sol, mais ici, évidemment, il passe par un peu, il fait un petit détour, le La bémol n'aboutit pas au Sol, il y a un petit détour avant d'arriver au Sol qui est ici. Repose sur dominante, qu'on peut chiffrer, dès maintenant je le fais, on chiffre bécard, c'est-à-dire Sol, Si, Ré. On ne peut pas être plus clair comme accord de dominante, hein. Sol, Si, Ré. Sol, Si, bécard, Ré. Bon, je crois, là j'ai une partition que j'ai imprimée, peu importe, elle est à 3 bémol, je pense que le texte original était écrit, comme on le faisait beaucoup au XVIIIe siècle, avec 2 bémols et non pas 3. 2 bémols, mais avec à chaque fois le La bémol indiqué quand il arrive. Bon, mais moi j'ai rétabli, enfin comme mon texte à moi, j'ai rétabli les 3 bémols. Alors, je veux simplement faire remarquer 2-3 petites choses. Ce sont les notes étrangères, appoggiature ou note de passage. Et les appoggiatures, en général, on l'apprend par exemple, la note étrangère qui est le retard ou l'appoggiature, je le dis, je crois que je n'ai jamais dû le dire, en contrepoint, on apprend dans le contrepoint rigoureux qu'on étudie, que j'espère on étudiera lors d'un chapitre ultérieur, on apprend à faire l'appoggiature ou le retard, c'est donc un peu la même chose, par le dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir, on le sait bien, l'accord de Sol, voilà, Sol, Sol, Si, et le 4-3, c'est Do aussi, c'est l'appoggiature par le dessus. L'appoggiature par le dessous est plus rare. Alors on va la trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. On va la trouver énormément partout. Mais dans le contrepoint originel, si j'ose dire, elle est évitée. C'est l'appoggiature par le dessus. Mais les appoggiatures par le dessous abondent, envahissent les textes chez Mozart, par exemple. Hein. Quand Mozart écrit, au lieu d'écrire Do, je l'ai déjà cité pour d'autres choses, mais j'aurai l'occasion de le redire d'ailleurs pour une autre raison. Il a écrit Do, Mi, Ré, et puis Ré, Fa, Mi. Les points qui sont le Do, les points forts, puis le Ré, puis le Mi, font l'objet d'une appoggiature inférieure et chromatique, enfin chromatique, par le demi-ton. Donc au lieu d'avoir Do, Mi, Ré, on va volontiers avoir chez Mozart, c'est même un cliché mozartien, Do. Ça, c'est très connu, c'est même quand on entend ça, si on veut imiter du Mozart, je ne sais pas, faire une petite, bah, par exemple, dans un petit texte qui serait dans le style de Mozart dans les textes d'examen, bon, il ne faut pas tomber dans des clichés et les resservir, si j'ose dire, systématiquement, mais enfin ça, c'est assez beau d'ailleurs, on peut très bien le faire, et par exemple, le Mi à son tour peut être appoggiaturé, donc je le refais, Do, Mi, Do dièse, Ré, puis Fa Mi, ça sera Fa Ré dièse Mi, Fa Ré, Mi, etc. On entend bien le type de phrase mozartienne que c'est. Alors attention, on est bien d'accord que, j'aurai l'occasion de le dire notamment pour Wagner, je le dis un petit peu en avance comme ça, que l'accord ici que j'ai joué pour le Ré au soprano était Si bécard Fa Sol Ré, c'est-à-dire un accord Si cinq barré, on est bien d'accord que quand il y a le Do dièse, bon ben d'une certaine manière ça ressemble à rien, je veux dire... Je le dis un petit peu de manière un peu véhémente, parce que quand on parle d'accord atonal des fois, alors que c'est une simple appoggiature qui se mêle, là, chez Mozart, personne ne va trouver cet accord atonal, bien évidemment. On voit bien que la note réelle est Ré, et que c'est l'appoggiature inférieure. Alors évidemment, on va se trouver avec les notes Si bécard Do dièse Fa Sol. Alors Si bécard Do dièse Fa Sol, ça n'est rien du tout, c'est un agrégat. Voilà. Mais quand on a ça... Ça, c'est par contre un accord de septième de dominante. Voilà.
ça sera un petit peu la même histoire avec Wagner, donc je commence déjà à monter sur mes gros joies à l'avance. Alors ici, on va avoir des appoggiatures. Je les avais déjà signalées chez Bach. Il y en a deux identiques. Je vais utiliser une autre couleur qu'on les voit bien. C'est deux fois la même, enfin à peu près la même en tout cas. C'est celle-ci. Et celle-ci. C'est au même endroit, c'est la même, c'est au même endroit. C'est le, si on compte à quatre temps, à quatre noirs, c'est sur le troisième temps ici, sur le troisième temps ici. C'est-à-dire que l'accord réel est bien si, fa, ré, c'est-à-dire un accord qui serait, pour les analystes, je regarde ici s'il n'y a pas une autre note à cause du soprano, non, non, pas du tout, il n'y a aucune autre note dans le texte. Il n'y a aucune autre note dans le texte, je disais. Donc c'est bien un accord qui pour nous serait un accord de dominante. C'est comme si j'avais, alors je l'écris ici, je vais l'écrire en noir, je pense que c'est quand même plus visible. Voilà cet accord, l'accord que nous connaissons bien, très tonal, si, ré, fa, sol. C'est si, cinq barrés, mais là c'est pas si, ré, fa, sol, c'est si, ré, fa, c'est-à-dire la quinte diminuée pure et simple, sans qu'il y ait la dominante. Mais pour nous, c'est, on associe cette harmonie à cette harmonie. Je dis nous, c'est-à-dire l'époque moderne, l'analyse, mais je crois qu'elle est tout à fait justifiée. Ça n'est pas... Voilà, donc là, on a affaire que au ré et au fa. Le ré est au soprano, le fa est ici. Donc l'accord est bien, je le relis, si bécard, fa, ré, et donc il se chiffre 5 barrés. C'est la corde sensible, pure et simple, à l'état fondamental, mais là, on doit chiffrer 2, 4. Si on veut faire le chiffrage complet, 2, 4, qui se transforme en 3, 5 barrés. On voit bien ici un état fondamental d'accord de 3 sons. 3 et 5, simplement la quinte est diminuée. Hein, on est bien d'accord. Si j'écris donc ça ici, j'insiste parce qu'on le trouve beaucoup chez Bach, ça. Mais chez Bach, on le trouve plutôt avec l'accord, non pas de quinte diminuée, mais l'accord de sixte. Je vais un peu vite, mais j'écris ça ici. On trouve beaucoup, allez, je m'assois là, que ce soit plus facile à écrire. On trouve beaucoup, par exemple, ça, Do, si je l'ai déjà montré avec Ré, Sol, donc 5, 2, et l'accord de sixte, qu'on chiffre 6 tout court. Mais là, c'est ça. Donc c'est un accord de quinte diminuée, et là, on devrait le chiffrer 4, 2. Si on chiffre 4, 2, on pouvait écrire ça. Alors lui, il écrit, ah bah voyez, il écrit très peu de choses, il écrit presque rien, il écrit deux tout court, il ne met même pas la résolution. Sous-entendu, c'est évident. Voilà, j'insiste là-dessus, je vais le jouer, juste ça, je vais le jouer. Je vais jouer ça. Je ne fais pas de trait parce que ça fait trop. Je joue l'accord de tonique, Do, Sol, Mi, Si, Fa, Ré. Et après, je le rejoue avec l'appoggiature, qu'on l'entende bien, et ça sera la même chose, grosso modo, ici. J'ai dit grosso modo, c'est pas exactement pareil. Donc voilà, Do, Sol, Mi. Donc les cordes commencent comme ça, voilà les quatre premières croches. Un Do grave. Voilà, c'est un accord, c'est un décor, pourrait-on dire, la couleur d'ut mineur, dans son, avec ce battement, qui est un petit peu comme un battement, si j'ose dire, de cœur, enfin, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu... voilà. Et voilà l'accord suivant. Voilà, après j'aurai ça par exemple. Là j'ai enlevé toutes les appoggiatures, je le refais. Donc Do, Sol, Mi, saut d'octave de la basse, Do grave, Do médium. Voilà, Si, Fa, Ré. Évidemment, on comprend un peu, bon, sur un piano, ça n'est pas la même chose que quand on entend le chant, quand on entend les cordes, ce qui est une, c'est très beau. Bon, sur le piano, ça a peut-être moins de couleur, bon, mais enfin, on entend ce côté affligé, pour reprendre le terme, ce côté extrêmement triste. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de la... Le mot douleur est un peu fort, simplement pour la note, mais enfin, ça rajoute, on entend, enfin, de l'ordre de l'expression, voilà, chercher le mot, tout simplement, d'expression. Alors, il va se greffer là-dessus une autre note étrangère, qui est une note de passage. Ici, c'est-à-dire que fa, le fa vers le sol,
et on a fa, fa dièse, sol. Voilà, donc je montre ça, ça ne nous apporte pas beaucoup d'éléments d'explication complémentaires, de toute façon, j'ai déjà tout expliqué sur ce chromatisme, mais on le voit à l'œuvre avec des petites subtilités qui rajoutent un petit peu à l'expression, et presque, je pourrais dire, à la surexpression, parce que déjà, le passage chromatique est déjà expressif en soi. Là, c'est un peu le mot surenchère est exagéré. Mais enfin, on souligne encore un peu plus cette expression. Donc, je vais faire entendre maintenant, je vais faire une autre petite remarque, le fa dièse. Oui, l'autre petite remarque, c'est que dans l'enchaînement originel, on avait accord de tonique, accord de dominante, accord de dominante. Là, la vraie dominante, elle est ici. Donc, c'est bien une sixte. Voilà. C'est bien une sixte. L'écriture plus classique aurait été sol qui continuait. Il est allé sur le fa, qui est la quinte diminuée. Je pense qu'elle ajoute aussi à cette expression un peu sombre et triste. Je vais d'ailleurs jouer, alors je vais le faire parce que c'est quand même très intéressant, parce qu'un des aspects de mon propos, c'est l'oreille. Il faut que l'oreille suive. Ça ne doit pas être purement intellectuel. Il y a un aspect intellectuel dans la compréhension des accords, des intervalles, des altérations, etc., des notes étrangères. Mais il faut aussi que ça soit l'oreille. Je vais faire entendre do, sol, mi, si, sol, ré, si bémol, sol, ré. Et je vais faire ensuite entendre avec le fa, qu'on entende bien la différence. Donc voilà, do, sol, mi. Bon, je le répète un petit peu. Voilà. Si, sol, ré. Puis si bémol. On reconnaît bien ce que j'ai déjà beaucoup joué. Or lui écrit do sol mi. Voilà. Et puis le fa. Ah, c'est pas pareil quand même. Et ici c'est le vrai accord de sol. Voilà. Et maintenant je fais entendre avec l'appoggiature du do si bécart. C'est des commentaires, on peut en faire à rallonge. Je fais ce commentaire-là, je ne sais pas quelle est sa valeur exacte. Il aurait pu écrire sol, 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 sol tout le temps. Le fait de faire fa a un côté expressif et un peu, je reprends le terme, affligé, parce qu'on descend, il y a une espèce de descente quand même. Et puis du coup, on se hausse de manière expressive vers le sol grâce au fa dièse. Donc ici, par exemple, le 5 barré, pour notre écriture moderne, lui, il n'écrit rien. On l'écrirait 5 tout court. On peut même mettre le mètre dièse 5 pour bien montrer que c'est le fa dièse. Alors attention, ça donne... Là, c'est une remarque pas très importante. Allez, si, quand même. Ça donne l'accord qui serait, qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout... Ben justement, si, je vais quand même faire la remarque, parce que j'ai autre chose à en dire. Qui serait l'accord si fa dièseré. L'accord si fa dièseré, c'est un accord très répertorié. Il n'y a pas plus clair que cet accord. Mais là, c'est pas ça. C'est l'accord de si mineur. C'est l'accord si ré fa dièse. Accord parfait mineur à l'état fondamental. Eh bien là, cet accord résulte d'une note de passage, mais ça n'est pas lui. Ça n'est pas, on ne peut pas analyser ça comme un accord de si mineur. Mais c'est un accord de si mineur. Mais ça n'est pas un accord de si mineur. Suis-je clair? Je ne sais pas, je pense. De la même manière ici, je trouve l'appoggiature, alors je vais le faire aussi. Ici, l'accord, on est bien d'accord. J'ai bien si bémol, ré, sol. Là, j'aurais eu, si j'étais dans le cas d'une régularité parfaite, la fa, do, accord de si bémol, enfin accord de, non, surtout pas accord de sol, accord de fa, chiffré 6, je mets bien le 6 ici. Mais il y a un changement de position. Alors, ce changement de position, je pense, ce n'est pas simplement qu'un problème technique, mais il y a un problème technique. Si on avait eu, en effet, sol, ré, fa, do, on a eu des quintes consécutives. Donc on ne peut pas l'écrire. Donc au moment où il passe à l'accord de fa, eh bien il change la position, il intervient, ça n'est plus une quinte, c'est une quarte. Ça n'est pas sol, ré, fa, do, c'est sol, ré, do, fa. Voilà. Et au moment où il a ça, au moment où il passe à cet accord de fa, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre d'une appoggiature, pourrait-on dire, mais
mais il résulte de ça un accord réel, qui est un accord plus 4. Bon, j'enlève mes petites choses en plus parce que ça devient un peu pénible à force, mais là on est bien d'accord que l'appoggiature qui est ici, qui est un appui pour arriver sur le vrai accord qui arrive ici, l'accord de Sixte, est appoggiaturé globalement par les trois sons. Les trois sons constituent une appoggiature et en même temps un accord réel. C'est un accord plus 4, c'est-à-dire un accord de dominante de fin. Voilà. Tout ça sont des petits éléments. Ils sont petits parce que ce sont des valeurs brèves. Mais ils s'intercalent un peu partout dans le discours que nous connaissons bien et que nous avons vu chez Corelli, Cavalli, etc. etc. chez Purcell, etc. On voit bien ici ces petites différences. Je tenais à les montrer, bien que ce ne soit pas d'une conséquence extrêmement grande, mais puis c'est aussi pour montrer, dans le cadre d'un Stabat Mater, que chez Pergolèse, il emploie bien cette fonction. Je fais entendre ça ici, si bémol sol ré, voilà, si bémol sol ré, répété 4 fois, et va sur la bécard dauphin. Donc ça c'est un accord de triton, c'est plus 4, et c'est plus 4, 6, 6 plus 4, peu importe, c'est-à-dire c'est le même accord que ça. Bon, j'invite quand même à l'observer, ça c'est l'accord de quindinué, si, c'est cet accord-là, si, ré, fa. Là c'est le même, mais dans son état de deuxième renversement. Bon, il est très passager, c'est pas un accord sur lequel il reste. Simplement ce que je veux montrer ici, ça c'est l'accord de do chiffré 6, c'est-à-dire mi bémol sol do, avec un croisement des voix, aucune importance pour nous. Mais il y a bien ici l'appoggiature inférieure si bécard do. Voilà, donc on a bien mi bémol sol do, mais on a... Voilà, ça occasionne ici, au moment où l'appoggiature note étrangère, c'est bien une note étrangère, et ça occasionne l'accord mi bémol sol si bécard, qui est l'exemple de l'accord augmenté. De quinte augmentée. Mais ça n'est pas une quinte augmentée au sens... là, je mettrais volontiers bécard 5. Voilà. Ça peut être, on pourrait écrire plus 5. On pourrait écrire bécard 5, aucune importance. Voilà, bon, c'est un petit peu tout ce que je voulais montrer, simplement pour signaler la présence de cet enchaînement. Je n'ai pas tout à fait fini. Je signale, ce n'était pas ça que je voulais dire, je signale ici l'accord de septième diminué, avant cadence, hein, on l'a bien, fa dièse, do, mi bémol, on l'a déjà vu à d'autres occasions, y compris dans le commentaire dans la vidéo précédente que j'ai pu faire, et ici la quarte et sixte et sa résolution. Bon, aujourd'hui, ce que je fais là est un petit peu, ça n'est pas décousu, je pense pas, mais je ne tire pas beaucoup de conclusions de tout ça, je ne fais que décrire et montrer des choses, ça n'a pas des conséquences extraordinaires, simplement c'est une exemplification et j'y tiens particulièrement. Je vais peut-être le rejouer une fois, parce que, je vais l'écrire d'ailleurs après ce que je vais dire là, il y a une toute petite séquence où le soprano chante le sol, une valeur longue, puis fait toute une descente du sol aigu au sol grave, peu importe, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais l'orchestre, sur la tenue du soprano, la tenue de sol, la tenue de dominante, fait encore le passage chromatique et sous une forme légèrement différente que je vais signaler. Alors, je vais peut-être le faire d'ailleurs, comme ça, ce sera, une fois n'est pas coutume, je fais entendre avant d'écrire. Alors, je reprends l'ensemble, j'ai bien do grave, saut d'octave de la basse, do sol mi. Voilà, je joue très lent qu'on entende bien. Maintenant,
Do fa ré. Do se résout. Le fa dièse passe. Si bémol sur ré. Alors maintenant, j'ai un si bémol à la basse, le mi bécara au haut. Voilà. Et après, j'arrive la bémol do fa. Fa do fa, entre parenthèses, à cet endroit, il manque la tierce, peu importe. Si bécard do, puis le vide, enfin le silence de la basse. Septième diminué, quart et sixte. Résolution, pardon, ça n'a pas sonné. Et le soprano chante. Sol. Donc le violon, les violons 1 chantent le sol avec la voix de soprano. Le sol est ici. Et au milieu, on a. On a encore une fois la citation, c'est pas une citation, enfin l'emploi ici, de, mais il y a une caractéristique que je vais signaler, du chromatisme. La basse pendant le sol tenu, je le fais un peu sonore pour qu'on l'entende. La basse fait do, si bécard, si bémol, la bécard, la bémol, sol. Et la voix d'alto, enfin pas la voix d'alto, les altos, enfin c'est-à-dire les deuxièmes violons, pardon, font suivre le chromatisme de manière intégrale, comme on l'a chez Mozart, comme on l'avait chez Handel. Il y avait l'abaissement du ré en ré bémol. Je vais entendre ce sol. Donc j'ai do mi bémol, si ré. Avec si ré, on a bien si ré, sol. Et puis si bémol et ré bémol. Voilà, je voulais signaler la bémol, sol, si bécard. J'espère bien m'être fait comprendre. Je vais l'écrire, ça prendra peu de temps, mais je signale ça parce qu'on le trouve chez Mozart, notamment dans l'exemple de Mozart que j'avais pris. L'exemple était en la mineur, dans la fantaisie en ré mineur. Voilà, donc je tenais à montrer cet exemple. Cet exemple est dans la, je l'ai joué, hein, il est dans la continuité de ce que j'ai joué précédemment, ce que j'avais écrit précédemment. Ici, on a la voix de soprano. Je regarde le texte. Oui, c'est bien la voix de soprano. Ce que je veux dire, la petite hésitation que j'ai, c'est que la voix de soprano chante sol, sol, fait le saut d'octave. Et ce sol est très long, et puis termine comme ça. On est bien d'accord. Donc la voix de soprano fait un saut d'octave, monte de sol à sol, et puis descend de manière conjointe jusqu'au sol, rejoint ce sol, chante ça, sol, sol, et puis fait fa, mi, ré, do, si, la, sol. Je le refais. Voilà, je ne compte pas, c'est long. Puis fa, mi, ré, do, si. Voilà, et on arrive sur le sol et sur la dominante. Je fais remarquer aussi l'emploi du rythme ta-ta, ta-ta, qui est là. Ti-ta, ti-ta. Et à ce moment-là, il est dit, le texte latin le dit, une si grande souffrance. C'est à ce moment-là, il est dit à cet endroit, une si grande souffrance. Voilà, donc ça, je ne l'écris pas. Simplement, je signale que ça, c'est la voix de soprano, tandis que les instruments sont ces trois choses-là, le sol, le do, le mi. Donc les basses, qui sont, je le redis, alto, violoncelle, contrebasse, la main gauche de l'orgue, le deuxième violon, le premier violon. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, je le montre quand même. On a bien affaire ici, encore une fois, à ce fameux enchaînement do, si bécard, si bémol, puis la bécard, la bémol, puis sol. Donc la tonique ici, la dominante ici, qui sont, comme je l'ai déjà dit, les deux bornes. Ce sont vraiment des bornes. Et puis les deux si, les deux là, qui sont une sixte et qui restent sixte. Simplement, je vais le redire après, ici sixte, puis sixte, sixte majeur, accord mineur, accord majeur, accord mineur. Mais il y a une originalité, c'est pas le mot, il n'y a pas d'originalité à proprement parler, mais je montre simplement, je redis, je l'avais dit, hein, j'aime bien
que ce soit clair, c'est que dans cet enchaînement qu'on a déjà vu, en général, le Ré reste Ré. J'ai l'accord Si, Ré, Sol, Si bémol, Ré, Sol. Or, ici, la voix du milieu subit, si je peux dire, enfin, subit, oui, c'est une manière de subir, c'est-à-dire qu'elle se plie, elle aussi, au chromatisme de la basse, elle est entraînée par le chromatisme de la basse, et de Ré à Do, on a aussi le Ré bémol. Je signale, donc on devra le chiffrer comme ça. C'est-à-dire que le 6 reste 6, le Si, le Sol reste Sol, mais la tierce, elle aussi, est abaissée. Donc on écrit bémol, qui veut dire donc bémol 3. Voilà, ça c'est une originalité très très importante qu'il faut connaître. Et puis ici, autre chose, évidemment, l'architecture, là c'est un exemple en or, et là j'y tiens particulièrement, je le fais remarquer, on a la sixte ici, donc on a bien ici la première sixte. Ah pardon, j'ai fait une petite erreur, hein, oh là là, enfin c'est pas une erreur, un oubli disons, c'est que là je n'ai pas la sixte, j'ai la septième, c'est-à-dire que j'ai le retard du soprano, je n'ai pas le fa directement, j'ai le sol qui dure, qui est donc 7, j'ai donc 7, 6. Bon, alors j'ai donc bien ici la, do, fa qui arrive en retard, donc quand j'analyse ici, j'ai bien la bémol, do, fa, et j'ai une croche qui est la fameuse, alors je vous demande de faire très attention, la fameuse sixte augmentée. Donc j'ai bien ici la bémol, do, fa, puis fa dièse, sol. Alors là, on est dans l'exemple exact de ce que j'ai montré. Donc c'est ça le vrai enchaînement chromatique. Il y a une petite différence par rapport aux exemples que j'ai montrés, c'est qu'il n'y a pas la sixte ici, il n'y a pas sol là, hein. Bien sûr, c'est le sol qui est tenu. Je vais faire remarquer tout de suite une chose que je ne vais pas faire étudier, parce que ça fait trop, je pense que ça fait trop, mais ça fera l'objet d'un commentaire que je ferai par écrit. Donc par écrit, on a tout le temps, tout loisir de lire ou de ne pas lire, de différer la lecture, de lire une autre fois, ce n'est pas la même chose, je ne vais pas alourdir les vidéos, mais je montrerai cette basse chromatique, qui ne sera donc plus forcément une basse, avec au-dessus d'une pédale de dominante. C'est-à-dire que des fois, on va trouver, chez Bach, il y a des exemples dans les fugues d'orgue, on va trouver ce chromatisme, avec une, je l'écris ici, ça n'est pas du tout le cas dans notre texte, avec une basse, bien sûr une basse, une pédale de sol. C'est-à-dire qu'on va trouver ça, autrement dit. Voilà l'enchaînement de vous. Do mi sol, si ré sol, si bémol ré sol, la do fa, la bémol do fa, sol si bémol sol, sur une basse, sur une pédale. Ici, c'est d'une certaine manière, on peut dire, une pédale au soprano, mais on va le trouver avec des pédales de basse. Et on le trouve d'ailleurs, je le signale, mais je ne vais pas le développer. On le trouve aussi dans le Stabat Mater de Pergolèse, voilà. dans un passage rapide. Je crois que c'est dans la fugue finale, il y a une fugue finale, sur le mot « Amen », comme c'est souvent le cas. J'en ris presque, enfin j'ai beaucoup de respect pour ses œuvres et pour ses textes, donc je n'ironise pas du tout, mais enfin, le fameux « Amen » est un mot prononcé en fin de liturgie, et dans beaucoup de pièces, et c'est le cas chez Purcell, il y a un mouvement entier sur le mot « Amen ». Voilà, et j'en ris un peu, ça, je n'en ris pas, parce qu'il est magnifique à cet endroit-là, il est très bienvenu, il est tout à fait à sa place, il n'y a pas d'ironie à avoir par rapport à ça, mais il y a quelqu'un de très célèbre qui a écrit une merveille, peut-on dire, une chose extrêmement réussie, et qui s'en moque, c'est Hector Berlioz,
qui, dans la damnation de Faust, à un moment, écrit une fugue un peu pompeuse, mais extrêmement bien écrite, mais elle se veut une caricature de fugue sur le mot « Amen » où les choristes chantent à longueur, enfin, pendant, de manière très emphatique, « Ah, 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 Amen », enfin, c'est avec des vocalises à n'en plus finir. Bon, c'est un peu une petite moquerie de ces finales « Amen ». Mais il y a donc un final « Amen » dans le Stabat Mater, et je crois, je vérifierai, peu importe. Où on a le chromatisme, encore une fois, mais il n'est pas du tout thématique, il ne fait que passer un moment, et il est sur une pédale de dominante. Voilà. Donc je signale que ça existe. Je l'ai montré de manière un peu emphatique en répétant les sols qu'on entende bien. Voilà, je pense que ça c'est très intéressant. À vrai dire, tout ça contient tout le cours que je fais sur le chromatisme. On a un peu tous les éléments. Le chromatisme que j'appelle, enfin, un peu exagéré, mais intégral, c'est-à-dire que intégral dans la mesure où l'alto lui aussi est chromatique. Voilà, la sixte augmentée, le 7-6, enfin on a un petit peu tout ici, et même une tenue de sol en prime. Remarquons bien que ce n'est pas du tout une pédale quand même là, parce que c'est une note réelle, c'est la note réelle de Do, Mi, Sol, c'est la note réelle de Si, Ré, Sol. Et là, c'est un retard, donc ça n'est pas une... On a affaire à pédale quand la note subsiste, même quand ce n'est pas du tout son accord, qu'elle n'a pas un rôle de retard, mais qu'elle est là parce qu'elle est là, et qu'elle ne veut pas être délogée d'une certaine manière. Elle ne veut pas partir. Voilà. Alors voilà pour le premier exemple de Purcell. Je vais montrer un deuxième, puis un troisième exemple, et j'en resterai là, parce que je pourrais les multiplier à l'infini, certainement pas, mais enfin, je pourrais les multiplier. Ça deviendrait vraiment fastidieux. Je pense que la démonstration aura été faite après ce chapitre, qu'il existe bien un chromatisme entre tonique et dominante. On le trouvera aussi de format de souffle, je ne vais pas trop le citer non plus ça, mais je le citerai dans les exemples par écrit. On le trouve aussi sous forme ascendante. En général, le modèle de départ et la forme descendante, mais on va le trouver aussi sous forme ascendante. Et aussi dans des contextes majeurs, mais ça nous verrons. Voilà pour le premier exemple.